On prend les mêmes et on recommence. Pour sa deuxième saison, le championnat de France Asphalte a choisi la continuité. Même si la moitié des épreuves n'étaient pas au calendrier 2002, les favoris, eux, sont les mêmes. Même objectif, on a quand même gardé pas mal de choses de l'an passé, à savoir tout d'abord la marque Subaru, puisqu'on est champion avec Subaru et je tiens à récidiver avec cette marque-là. On a également la même équipe, l'écurie First, qui a fait du super boulot et qui est très très motivée pour nous préparer une auto encore cette année au top de la technologie. Donc même copilote également, mon fidèle compagnon Gilles Mondésir, que je salue et que j'apprécie beaucoup. Donc une nouvelle monture par contre, une génération un petit peu plus récente. L'an passé on courait donc sur une version 2001, cette année une version 2002. J'ai fait quelques tests avec cette nouvelle auto et c'est vrai qu'apparemment elle marche pas mal du tout. D'autant plus qu'on a toute l'expérience de l'an passé. Au niveau châssis, on avait pas mal travaillé tout au long de l'année l'an passé. Et donc les petites modifications techniques qui ont été apportées sur la version 2002 plus l'expérience de l'an passé font que je crois qu'on a une bonne auto qui est vraiment saine, qui est vraiment efficace. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on soit compétitif et performant. La concurrence viendra d'Alexandre Maguet. Comme d'habitude, en tout cas moi je suis content également de retrouver cet adversaire. Je crois que c'est vraiment un gentil garçon qui a du talent. Et je lui souhaite également une bonne saison. Mais en tout cas, il va falloir qu'il se cache dans les pattes parce que nous on est très très motivés. Nouvelle voiture, la voiture a un petit peu évolué par rapport à l'an dernier, donc je pense qu'on sera mis en perfo, mais je crois que toute la concurrence a évolué aussi, donc il faudra prendre la mesure. Et puis nouveaux objectifs, hein, l'objectif c'est de gagner le titre, hein, c'est impératif pour moi. Si je veux qu'il y ait une suite rapide à ma carrière, et c'est impératif de passer par là. Titré en 2002, le Lorrain Benoît Rousselot remet sa couronne en jeu. Il est toujours au volant de la Subaru Impreza WRC, préparée par les Belges de First Motorsport. Son objectif est le même, remporter le titre. Décidément, les années se suivent et se ressemblent pour Alexandre Binguet. En 2002, le pilote de la 206 WRC avait dû abandonner dès les premiers kilomètres du rallye Lyon-Charbonnière, manche d'ouverture de la saison. Eh bien cette année c'est pareil, Binguet a signé le meilleur temps de la première spéciale, c'était plutôt bon signe, mais dans le chrono suivant, il est sorti de la route, la faute à une flaque d'huile, un piège laissé par une voiture ouvreuse. Binguet réduit à l'abandon, Benoît Rousselot se retrouve seul en tête, sans adversaire à sa mesure, car ses poursuivants ont tous eu des soucis. Jérôme Galpin a lui aussi abandonné, sa Subaru Impreza en panne de turbo. Gilles Nantais a des problèmes de moteur et de pneus avec sa puissante Porsche 911. Et Jean-Marie Cuoc, qui a récupéré la Citroën Xara Kit Car de Sébastien Loeb, n'est pas à l'aise sur les routes très rapides de la Touraine. À l'issue de la première étape, il est malgré tout deuxième, mais à plus de 3 minutes de Benoît Rousselot. Xara de Cuoc devance 3 autres kit car, la Renault Mégane de l'étonnant pilote local Pierre Rocher et les Peugeot 306 Maxi de Michel Bonfils et Jean-Pierre Landon. Oh!
En groupe N, Yvan Muller et Jacques Ivoirin, les deux pilotes de Subaru France, ont du mal à suivre le rythme imposé par un autre pilote local, le Nantais Xavier Lemonnier, avec sa Mitsubishi Lancer Evolution 7. Lemonnier se promène en tête du groupe. Quand on regarde les écarts avec nos poursuivants, c'est sûr que ça manque un petit peu de combat. Maintenant, le combat, il est dès le départ du rallye. Il y a la psychologie, il y a la pression du début de course qui a peut-être pu jouer. Et le combat, il est là aussi. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est une opération, une bonne opération. Bon, on est qu'à la fin de la première étape, mais si on pouvait finir comme ça, c'est sûr que ça serait une très très bonne opération pour le championnat. Maintenant, je te dis, il reste encore quelques kilomètres, c'est piégeux. Les chronos du sud de Tours sont très piégeux, très sales, donc il va falloir faire attention. Et puis, on a quand même gardé un rythme soutenu, puisqu'on améliore quand même nos temps au fur et à mesure des passages dans les chronos. Ça veut dire qu'on est présent dans l'action. Et puis, on essaye des modifications de châssis. Et pour voir si c'est concluant ou non, il faut qu'on garde un bon rythme. Donc, moi, je reste concentré et j'espère que tout ira bien jusqu'au bout. Jean-Marie, première étape, déjà deuxième. Oui, deuxième, c'est parfait pour le championnat. C'est vrai qu'en venant ici, je pensais pas être si bien que ça. Le petit copain en fait des erreurs, mais c'est vrai que c'était facile de faire des erreurs. À quelques moments, nous aussi, ça a été chaud. Donc deuxième, c'est vraiment parfait parce que c'est très sale et on a beaucoup, beaucoup de mal avec la deux roues motrices. En fait, on est deuxième, mais on pourrait dire qu'on est premier deux roues motrices parce qu'on n'est quand même pas sur un terrain favorable à la kit car, je pense. La rampe de phare, ça marche comment ? La rampe de phare, ça marche comment ? Quand tu les soulèves, ça marche avec les phares. Si on soulevait tous les deux, c'est bon. Quand tu mets les phares, ça va servir. Ok. Alors Gilles, une exceptionnelle première journée ? Non, pas exceptionnel du tout. On a changé de fournisseur de pneus et la mise au point de la voiture par rapport aux nouvelles carcasses, c'est pas évident. J'avoue qu'on a du mal à rester en ligne droite. Et puis en plus, on a fait quelques petites fautes dans un gros tête à queue, sûrement spectaculaire. Et on a eu des gros problèmes électriques dans l'avant-dernière spéciale où j'avais plein de coupures. On a vraiment sauvé les meubles, je dirais. On n'a pas trouvé la cause, on a attaché un tout petit peu tous les faisceaux. Il n'y a plus de coupures, ça marche bien. Mais c'est vrai que j'adore ce circuit et je me fais énormément plaisir. Ça donne quelle place pour l'instant ? Je sais pas, j'ai pas le résultat là. On a essayé de solutionner nos petits soucis. J'ai pas le résultat. Mon tête à queue et puis ma panne nous ont bien fait reculer au classement. Mais il est vrai qu'on n'est pas très loin des meilleurs kit car, ce qui veut dire qu'on a quand même bien amélioré par rapport à l'année dernière. À 10 journées, ça faisait 4e. Ouais, mais après on était 7 suite à mon tête à queue. Et là, le problème, je ne sais pas ce que ça donne, je pense 9e, mais c'est de bon augure pour la suite de la saison parce que j'avoue que jeu égal avec les kit car, c'est un peu ce qu'on espérait avec les nouvelles suspensions qu'on a et surtout le poids, la cure d'amaigrissement qu'on a fait à la voiture. Pas de surprise à l'arrivée, Benoît Rousselot remporte sans difficulté le rallye Cœur de France. Le pilote de la Subaru Impreza WRC a fait une course en solitaire. En tête du rallye depuis le S2 et l'abandon d'Alexandre Binguet, Rousselot a largement dominé la situation. Il remporte 12 spéciales sur 14 et marque ses premiers points de la saison. Il ne pouvait rêver meilleur début de championnat. Derrière Rousselot, loin derrière, à plus de 5 minutes, Jean-Marie Curoc a préservé sa seconde place. Mais l'Ardéchois attendait mieux de sa Citroën Xara ex-Sébastien Loeb. Sur le podium, Kuok devance Nantais. En difficulté en début de course, le Savoyard a réussi une belle remontée. Quand elle marche bien, sa Porsche 911 est redoutable.
Michel Bonfils et sa 306 Maxi sont sortis vainqueurs de la bagarre des kit-cars devant Pierre Rocher et sa Mégane. Alors que Jean-Pierre Landon a abandonné. Xavier Lemonnier n'a laissé aucune chance à ses adversaires en groupe N. Le Nantais, dont on avait déjà apprécié le coup de volant en 2002 à La Rochelle, a largement dominé Yvan Muller et Jacques Ivoirin. Il impose sa Mitsubishi devant les deux Subaru officiels. Lemonnier a de qui tenir, c'est le neveu d'Hervé Knapik, le pilote de rallycross. Sympa, c'est dommage que la bagarre avec Alex a tourné court parce que dès le premier chrono, Alex a démontré des belles capacités et malheureusement il a eu quelques malheurs. Et nous, en tout cas, ça nous a laissé champ libre pour profiter de cette course, se mettre en main la voiture qui a quand même une version nouvelle et on a pu bosser également sur le châssis qui n'allait pas trop dans les premiers chronos. Donc on a bien fait évoluer la voiture, on est resté bien concentré tout au long du rallye, on a continué à rouler sur un rythme relativement soutenu, même très soutenu de temps en temps. Pour moi c'est un bon week-end, un bon début de saison en tout cas. Un mois après le Tour de France et la Touraine, changement de région mais pas de décor pour les concurrents du championnat asphalte, direction les coteaux vallonnés du Mâconnais et de la région de Tournus. Depuis 20 ans, le rallye des 20 Mâcons est une des épreuves les plus populaires des rallyes français. Mâcon et Tournus ont déjà accueilli à plusieurs reprises la finale de la Coupe de France des rallyes, mais c'est la première fois que le rallye des 20 compte pour le championnat de France. Pour cette grande première, Alain Gélier et son équipe ont procédé à quelques remaniements. Le rallye se déroule sur 3 jours au lieu de 2 et a quitté le centre de Mâcon. Adieu les quais de la Saône, tout est désormais regroupé au parc des expositions de la ville. Binguet et Rousselot découvrent tous les deux ce rallye qu'ils n'ont jamais disputé. L'occasion pour Binguet de rattraper son faux pas du cœur de France et l'occasion pour Rousselot de creuser un peu plus l'écart au championnat. Tous deux devront se méfier de Jérôme Galpin qui a déjà disputé la finale de Tournus et surtout de Jean-Marie Cuoc qui a gagné la finale ici même en 1998 mais aussi le rallye des 20 en 2001. À l'époque, c'était avec la 306 Maxi. Au terme des deux premières journées de course, Alexandre Binguet et Benoît Rousselot n'ont pas réussi à se départager. La 206 WRC et la Subaru Impreza se partagent les temps scratch. C'est une course dans la course, mais elle est complètement indécise. Vendredi soir, Rousselot avait pris la tête, mais il a préféré lever le pied en fin d'étape pour laisser son adversaire ouvrir la route le lendemain. Samedi matin, Rousselot est repassé devant Binguet dès les premiers kilomètres, mais il n'a pas réussi à décrocher son adversaire. Binguet est resté sur ses talons toute la journée. L'écart entre les deux premiers n'a jamais dépassé la barre des 10 secondes. Bien, quoi, c'est beau. Je crois que une bagarre comme ça, tout le monde l'attendait en tout cas, et là aujourd'hui on la vit.
Moi, ça me va très très bien, c'est ce qui m'anime. Je suis un compétiteur et je souhaite sortir vainqueur de ce beau duel. Donc demain, 4 petites spéciales, on va dire. 4 beaux chronos encore. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi bien Alex que moi-même, on n'est jamais venu sur les terres du Mâconnais. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour nous. On doit optimiser tous nos freinages, tous nos passages en courbe, alors qu'on n'est pas sûr du terrain. En tout cas, moi, je roulais à la note au premier passage, en tout cas, puisqu'au deuxième, on s'en souvient un petit peu mieux. Mais au premier passage, on roulait à la note. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu chaud, on se fait un peu surprendre. On a quand même fait les reconnaissances il y a une semaine de ça. 4 passages il y a une semaine, moi je me souviens de rien du tout en tout cas. Et ouais, je dis que c'est chouette. Pour l'avenir du championnat asphalte, pour l'avenir des grosses autos, je dis que c'est vraiment bon. Binguet, qui modifie peu à peu les réglages de sa 206, n'a pas dit son dernier mot. De mieux en mieux dans la voiture, on a compris 2-3 petites choses, on a modifié quelques réglages et c'était beaucoup mieux ce soir, donc je suis content, on revient à 4 secondes de lui, c'est de bon augure pour demain. Demain, 4 spéciales ? Ouais, 4 spéciales, je vais essayer de faire de mon mieux, sans faire de bêtises bien sûr, parce que c'est impératif qu'on soit à l'arrivée, hein. C'est tellement important dans la mesure où j'ai abandonné la première course, il faut qu'on soit là demain, mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Objectif, le championnat ? Ouais, tout à fait, mais je suis quand même un jeune pilote et j'ai besoin de prouver que je peux aller vite avec ce type de voiture, donc... C'est important de jouer la sécurité pour le championnat, mais c'est important de montrer qu'on peut aller vite. La bagarre entre Rousselot et Binguet a relégué la course des autres concurrents au second plan. Jean-Marie Cuoc a abandonné en panne de moteur alors qu'il était cinquième. Gilles Nantais et Jérôme Galpin se disputent la troisième place. Thank you.
Au terme de la deuxième étape, le pilote de la Subaru WRC a pris le meilleur sur la Porsche. Il y a donc trois WRC aux trois premières places. Surpris parce que contrairement à ce que je pensais, c'est-à-dire d'habitude je m'en sors un tout petit peu mieux sur des terrains piégeux, je m'aperçois que la nouvelle auto de cette année, du moins version 2003, je suis plus rapide sur le très sec et un tout petit peu moins rapide sur le piégeux. Donc, on a une liaison au sol qui est nettement meilleure, bon pour le sec, peut-être retravailler les réglages, on verra, mais très content quand même parce que 3 WRC devant, une derrière, une groupe F au milieu. Je ne sais pas si tout le monde est content, mais moi je suis très content, c'est le principal. Mais c'est vrai que de voir une 911 à cette place, c'est, aujourd'hui, c'est quand même impressionnant. Et ouais, surtout qu'on est de 79, hein, donc ça fait 24 ans, et c'est toujours la caisse d'origine, donc détordue plusieurs fois, effectivement, mais c'est toujours elle. En groupe N, Jacques Ivoirin a pris le large après que son coéquipier Yvan Muller ait été victime de la rupture d'une durite de frein. Au rallye des 20 Mâcon, on aime bien le suspense. En 2002, Christophe Vaison avait raflé la victoire au nez et à la barbe d'Yves Pezzuti pour 6 dixièmes dans le dernier chrono. Cette année, Alexandre Binguet, qui était sur les talons de Benoît Rousselot depuis le départ, a réussi à inverser la tendance à deux spéciales de l'arrivée. Binguet et sa 206 WRC ont pris le meilleur sur Rousselot et sa Subaru Impreza en fin de rallye et s'imposent à Mâcon pour seulement 5 secondes. Cette victoire, la première de la saison, permet à Binguet de conserver ses chances au championnat, mais Benoît Rousselot reste largement en tête grâce à sa deuxième place. WRC, 2-206 et 2 Impreza terminent aux 4 premières places. Jérôme Galpin monte sur le podium devant Didier Cormorèche qui pilote la deuxième 206 WRC du Beuzelin Sport Auto. Groupe N, victoire sans surprise de la Subaru de Jacques Ivoirin. Alexandre Binguet et Benoît Rousselot ont chacun une victoire au compteur, mais Rousselot est largement en tête du championnat car il a déjà marqué à deux reprises. Binguet a l'avantage du terrain, il a déjà disputé le rallye en 1999 alors que Rousselot n'a jamais couru dans le Tarn. Par contre, son copilote, Gilles Mondésir, a remporté la Montagne Noire en 1997 avec Sylvain Polo.
Les routes montagneuses du Tarn conviennent mieux à la 206 WRC d'Alexandre Binguet qu'à la Subaru Impreza de Benoît Rousselot. Binguet est à l'aise sur ce terrain, plus lent qu'à l'accoutumée, alors que Rousselot voit son adversaire lui échapper spécial après spécial. De la première étape, Binguet est en tête, mais l'écart n'est pas encore suffisant pour crier victoire. Le bilan est satisfaisant, on a un petit peu plus de 13 secondes d'avance sur Benoît Rousselot, donc c'est très bien pour envisager la deuxième étape et la dernière de demain. On est très bien en pneumatique, on est parfait dans notre quota, dans notre gestion qui devrait nous avantager demain. La voiture n'est pas parfaite sur tous les types de routes, mais sur le cumul, je pense qu'on est vraiment performant. Demain, il y en a une qui est identique à aujourd'hui, donc là, on sait à peu près comment ça devrait se passer. Les autres, c'est de nouvelles spéciales, donc c'est tout nouveau, mais je pense que le profil devrait être à notre avantage. Jean-Marie Cuoq joue parfaitement son rôle de troisième homme du championnat asphalte. Il suit les leaders, mais à distance. Sa Citroën Xara devance la Porsche 911 de Gilles Nantais, qui dispose d'un nouveau moteur plus puissant. Jérôme Galpin a connu des problèmes de turbo au cours de la première étape et se retrouve en cinquième position, juste devant les kit-cars de Landon, Pustelnik et Bonfils. Ça allait pas mal, mais là, depuis deux spéciales en arrière, on a d'abord fait un mauvais choix de pneus, je pense. On surchauffait, donc on glissait beaucoup dans la 4. Et dans la dernière, à cause de la chaleur, la pression d'essence, l'essence se vaporisait, donc on avait des coupures moteurs, donc on perd une vingtaine de secondes. Et donc des conditions de chaleur, comme vous dites, très éprouvantes, aussi bien pour les voitures que pour les pneus et que pour la route aussi. La route se dégrade, je m'attendais presque plus que ça. Enfin, il n'y a pas tellement de surprises sur la route, on avait bien reconnu. Le fait est que j'imagine que les derniers vont passer dans des routes dans un piteux état, je pense. En groupe N, Xavier Lemonnier est intraitable. Sa Mitsubishi Lancer devance à nouveau la Subaru WRX de Jacques Ivoirin. Mais ce dernier n'a pas eu une journée favorable. Retardé par un concurrent en panne, il a ensuite connu une grosse coupure moteur qui lui a fait perdre du temps. Alexandre Binguet a gagné, mais il a eu très très chaud. C'est bien lui qui remporte le rallye de la Montagne Noire avec sa 206 WRC aux couleurs de Yako, mais Benoît Rousselot y a cru jusqu'au bout. La
La domination de Binguet était marquante depuis le départ, mais à 3 spéciales de l'arrivée, Alex est parti à la faute. Un tête à queue sur une portion de route humide, ce sont 18 secondes qui s'envolent. Il ne lui en reste plus que 8 d'avance, de quoi redonner espoir à Rousselot. Malgré 2 ultimes temps scratch, le pilote de la Subaru échoue à 6 secondes de la victoire. Rousselot conserve malgré tout la tête du championnat, mais il n'a plus que 16 points d'avance sur Binguet et sur Gilles Nantais. Troisième du rallye, on retrouve Jean-Marie Cuoch et Sakzara à plus de 2 minutes des deux premiers, mais devant la Porsche de Nantais. Nouveau succès de Xavier Lemonnier en groupe N, mais là encore, ça a été très chaud. Jacques Ivoirin était revenu sur ses talons. Il a tenté le tout pour le tout dans la dernière spéciale, mais sa Subaru est sortie de la route. Je suis très content de ce week-end. Je suis très content d'avoir gagné ici parce que c'est important pour que la suite soit faite dans de bonnes conditions. Il nous l'a fallait vraiment et on l'a eu, et je suis très content du travail qu'on a fait avant le rallye. Je pense avoir bien conduit tout ce week-end malgré une grosse erreur en fin de parcours qui aurait pu être fatale, mais enfin bon, on a pu rapidement recréer un petit écart et gagner aujourd'hui. C'était très chaud, on a encore eu affaire à une belle bagarre. Alex nous a devancé dans l'avant-dernière boucle. Il fait un tête à queue, ce qui nous permet de revenir au contact et d'y croire. Donc on y a cru, on a envoyé très très fort avec Gilles et notre Subaru. On a vraiment pris des gros risques jusqu'au dernier mètre et malheureusement ça ne l'a pas fait. Il y avait 5 chronos différents ici à la Montagne Noire, et quand on regarde un petit peu en détail les différents chronos que nous avons effectués, on s'aperçoit que sur les 3 chronos les plus rapides, on a les records. Et sur les 2 chronos les plus étroits, les plus sinueux, ben Alex a les records, et en plus à ce moment-là il nous en pose beaucoup, quoi. Donc il y a une grosse question qui se pose, à savoir est-ce que notre voiture, notre combinaison voiture-pneu est bien adaptée à ce type de profil, ou est-ce que moi-même également j'ai pas aussi à me remettre en question quand ça tourne très fort, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on remédie à ce profil de route parce que ça nous coûte trop cher, quoi. Ça nous coûte trop cher, on prend énormément de risques et ça nous coûte beaucoup trop cher. Donc je suis déçu, bien sûr. Alex gagne encore une fois pour une poignée de secondes et ça m'embête beaucoup, quoi. Bon, on est à mi-saison, on a fait 3 rallyes, on a fait les 3 rallyes que je ne connaissais pas. Dans ces 3 rallyes que je connais, j'espère que ça va nous servir. Thank you.
Cela restera l'un des tournants du championnat Asphalt 2003. Dans la cinquième spéciale du Mont Blanc, Benoît Rousselot est sorti de la route. Sa Subaru est restée enlisée dans un champ et il a été obligé d'abandonner, laissant filer la 206 WRC d'Alexandre Binguet. De toute façon, moi je suis pas vraiment déçu dans le sens où on a vraiment essayé d'y faire. On n'avait pas trop le choix puisque il est plutôt clair que sur le sec, sur l'asphalte sèche, on a du mal à poursuivre Alex, on a du mal à être dans ses temps. Moi j'avais qu'une seule solution, c'était attaquer sous la pluie et encore mieux puisqu'on avait, on était tous en slick sous des conditions d'adhérence très précaires. Et le jeu, c'était d'attaquer, donc on a joué, on était en avance sur lui au moment où on sort, et bah, malheureusement, il en a fallu de peu, mais on a glissé dans un très long gauche, et j'avais plus assez de motricité pour me faire revenir, donc l'arrière a touché l'herbe, et après on s'est garé gentiment dans l'herbe. À partir de ce moment-là, on n'a pas réussi à revenir sur la route, puisque ça motrissait rien du tout sur l'herbe mouillée. Donc pas vraiment déçu. Je vous dis, on n'avait pas d'autre choix que de jouer cette carte et d'attaquer à fond sous la pluie. Rousselot n'est pas le seul à avoir fait cette erreur. Gilles Nantais est sorti dans la même spéciale, au même endroit. En quelques minutes, le rallye a perdu deux de ses principaux animateurs. Nantais parvient finalement à repartir, mais il passe de la 3e à la 18e place, trop loin pour espérer briller. Alexandre Binguet se retrouve donc seul en tête et à l'issue de la première étape, Jean-Marie Cuoc est isolé en deuxième position. Il devance la 306 Maxi de Jean-Pierre Landon et la 206 WRC du monégasque Richard N. Thank you.
En groupe N, les courses se suivent et se ressemblent pour Xavier Lemonnier. Même s'il est handicapé par sa méconnaissance du terrain, le pilote de la Mitsubishi a pris l'avantage sur Jacques Ivoirin, retardé par des problèmes de frein. C'est vrai qu'avant le rallye, on se disait qu'il faudra passer les trois premières spéciales qui sont en Savoie parce qu'elles sont très difficiles. Donc ça s'est très bien passé pour nous puisqu'on a signé les trois temps scratch. Mais par contre, après, on est parti pour la boucle de trois spéciales en slick et la pluie est arrivée à ce moment-là. Elle a surpris tout le monde et c'était vraiment un vrai calvaire dans les spéciales de rouler dans ces conditions. Ça glissait énormément. Et d'ailleurs, Benoît Rousselot s'est fait piéger dans la quatrième spéciale et il a dû abandonner. Donc c'est vrai que là, on se retrouve un petit peu seul en tête avec 3 minutes 47 d'avance sur Jean-Marie Cuoq. Donc bon, c'est sûr que c'est une position assez intéressante, mais le rallye est encore très long, on n'est même pas à la moitié, il faut rester concentré, continuer à rouler, mais pas faire de fautes sur les nombreux pièges qu'il y a ici. Il y a longtemps que je voulais retourner sur la terre, c'était quand même mon amour du début, donc là j'ai fait une petite incursion cet après-midi, j'ai voulu tester la version tourneuse à gazon de la Porsche, ça marche, mais par contre on a perdu 7 minutes. Bon, le podium, bien entendu, du Mont Blanc, pour moi c'est cuit, mais par contre ce qu'il faut regarder c'est les points au championnat. Donc si je rentre la classe du groupe F, de ma classe F19, je marque 10 points. Il faut que j'essaye de remonter dans les 10 premiers du championnat, qui ne sont pas obligatoirement les 10 premiers du scratch, pour reprendre quelques points. Donc pour moi, tout n'est pas perdu. Donc c'est pas une opération nulle pour le championnat. Il faut que je continue à attaquer pour remonter un peu et prendre un maximum de points. C'est mon objectif. Le rallye du Mont-Blanc a été une formalité pour Alexandre Binguet. Débarrassé de Benoît Rousselot dès la première étape, Binguet signe son troisième succès d'affilée et prend la tête du championnat de France. Resté concentré, le pilote de la 206 WRC a signé la totalité des meilleurs temps de la deuxième étape. Il termine avec près de 7 minutes d'avance sur la Xara de Jean-Marie Cuoq. L'enjeu de cette deuxième journée a été la bagarre pour la troisième place. Jean-Pierre Landon a longtemps résisté avec sa 306 Maxi, mais en panne d'embrayage, il s'est fait coiffer sur le fil par la 206 WRC de Richard N. Le Monégasque s'empare de la troisième place dans la dernière spéciale. L'intérêt de la fin de course a été la remontée de Gilles Nantais. Reparti en 18e position, il termine finalement 5e et conserve la deuxième place du championnat derrière Binguet, mais devant Rousselot. Surprise en groupe N, Xavier Lemonnier s'impose à nouveau devant Jacques Ivoirin. Thank you.
Alors une épreuve décisive. Oui, ben un petit peu comme toutes les autres, hein, c'est évident qu'il faudra rouler le plus vite possible sans faire de faute et essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Tracé particulier. Oui, c'est assez atypique par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, mais c'est très exigeant aussi et c'est pas inintéressant. Et la pression, difficile à gérer. Bah, c'est toujours plus ou moins difficile. C'est certain que la pression, on l'a sur les épaules parce qu'on a un objectif en fin d'année. Mais ça me met la pression qui me fait avancer plus vite. Et ici, qu'est-ce qu'il faut ici pour gagner alors? Ah, il faut tout, je pense. Il faut bien conduire, avoir une pointe de vitesse intéressante, pas faire d'erreur et déjouer tous les pièges. Alors, un rallye décisif pour la suite? Ouais. Je crois que là, on tire nos dernières cartouches et il faut bien viser, je crois. Il y a une grosse pression parce que Alex a enchaîné plusieurs victoires et nous on a manqué un petit peu de chance et on a manqué un petit peu de performance aussi. Je compte fort sur le rallye de La Rochelle qui est vraiment un terrain typique, très rapide où il n'y a pas de virage. C'est là où on souffre un petit peu malheureusement depuis un an et demi sur les appuis avec un sous-virage un petit peu intempestif. Mais le rallye de La Rochelle, ça trace et c'est à celui qui a les plus grosses, je crois, et qui freine le plus tard. On verra bien ce qui va se passer, mais je suis bien confiant. Pas droit à l'erreur. Ah, pas droit à l'erreur, non. Il va falloir aller vite et bien. À deux manches de la fin de saison, la balance penche désormais en faveur d'Alexandre Binguet avec 3 victoires et un abandon en 4 courses. Alors qu'avec une seule victoire, 2 deuxièmes places et un abandon, le bilan de Benoît Rousselot est moins positif, mais il conserve ses chances. Pour cela, il lui faut marquer un maximum de points à La Rochelle. Rousselot ne s'est plus imposé depuis le début de saison, alors que son adversaire enchaîne les succès. Comme le rallye du Mont-Blanc, le rallye de La Rochelle se déroule sur 2 jours avec un prologue le vendredi soir, 2 spéciales nocturnes pour établir un premier classement. Benoît Rousselot part le plus vite, mais il fait un tout droit et c'est Alexandre Binguet qui rentre en tête sur le port de La Rochelle. C'est lui qui ouvrira la porte demain. Le prologue a fait une victime importante. Gilles Nantais est sorti dans un champ et a cassé son embrayage en essayant de revenir sur la route. Cet abandon prématuré devrait lui faire perdre sa deuxième place au championnat. S'il vous plaît. Merci. Ouais. Merde, putain, Bengé. C'est des marques. Oh, putain. Merde, la Peugeot! Allez!
Alex, cette première boucle, comment s'est-elle passée ? Bah, y a eu du bon et du moins bon. Le moins bon déjà dans la première spéciale où j'ai calé dans une épingle très serrée, donc j'ai perdu une quinzaine de secondes, la voiture ne voulait pas redémarrer. Donc là on a perdu beaucoup de temps, mais on a fait le même temps je crois avec Benoît dans la seconde. Et dans la troisième on fait le temps scratch pour 5 secondes, donc on a repris un petit peu de notre retard, mais ça va très vite, Benoît roule très vite, nous aussi. Je suis assez content de la façon dont j'ai conduit dans la dernière, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la deuxième boucle ? Ah bah, il faut continuer à attaquer bien sûr et déjouer tous les pièges de ce rallye, et il y en a énormément. Il faut maintenir la pression sur Benoît et comme ça jusqu'au bout. Sinon ça se jouera au Cévennes. Oui bien sûr, bon, il faut savoir qu'ici nous c'est pas impératif de gagner, contrairement à Benoît, c'est pour ça que lui il va prendre tous les risques possibles. Nous il faut faire une amalgame entre aller très vite et pas faire de fautes. Alors Benoît, le bilan de ce premier tour ? Ouais, c'est un bilan positif, moi ça me rassure comme il faut, parce que malgré la petite erreur qu'on fait dans la troisième chrono, on perd une douzaine de secondes. Et au final, il nous en met 6. Ça veut dire que sur la deuxième partie de chrono, on était plus performant. Maintenant, c'est vrai qu'on prend beaucoup, beaucoup de risques. À chaque fois que je vois les traces d'Alex, mon but, c'est de freiner plus tard que lui. Et on est à la limite, quoi. On ne laisse pas grand-chose. Je suis content de ma voiture sur ce profil de route. On a une bonne auto qui nous permet dans le vide d'être plutôt confortable et de garder flat à des vitesses assez délirantes. On a quand même toujours ce problème de sous-virage dans les carrefours. Je mets beaucoup d'angles de volant et ça sous-vire en sortie. J'ai beau charger très tôt pour essayer de la faire venir, mais on sous-vire quand même pas mal. Et au fur et à mesure des kilomètres, le sous-virage s'accentue et après je l'ai dans le vide, quoi. Donc même en 6, des fois on appuie l'auto et on met de l'angle de volant et on sort des fois à ses limites de l'herbe. Donc c'est chaud, on prend des risques, mais on est dedans, quoi. Donc moi ça va, je me sens bien. Le deuxième tour va être chaud alors. Le deuxième tour va être chaud, faut qu'on laisse rien du tout et faut pas qu'on fasse d'erreur, quoi. Benoît Rousselot y a cru jusqu'au bout, mais visiblement la chance n'était pas de son côté. Leader pendant la majeure partie du rallye, auteur du plus grand nombre de temps scratch, le Lorrain semblait se diriger vers son deuxième succès de la saison, mais tout a basculé à 3 spéciales de l'arrivée, à cause d'une pierre placée dans la trajectoire de la Subaru WRC. Avec un pneu crevé, Benoît Rousselot perd d'un coup tout son avantage. Ses 18 secondes d'avance se transforment en 30 secondes de retard. Binguet en profite, il hérite du commandement et remporte son 4e rallye d'affilée. Mathématiquement, Binguet n'est pas encore titré, mais il n'en est plus très loin. Jean-Marie, le bilan de ce premier tour ?
Bah, le bilan, on va dire assez positif. Bon, on n'a pas réussi à faire de l'écart avec derrière, mais bon, ça se passe assez bien. On a fini un tour. On est troisième, même si au pire on passe quatrième, c'est bien pour le championnat parce que bah, on est toujours premier de ceux qui peuvent prétendre à la troisième place du championnat, donc c'est notre objectif. Ça va quoi, pour un rallye qu'on découvre, c'est vrai que nos petits copains, notamment Jérôme, l'a fait les deux dernières années, on est un peu handicapé par rapport à eux, donc c'est plutôt positif, assez satisfait. Alors Jérôme, à mi-parcours, qu'est-ce qu'on peut dire ? À mi-parcours, on peut dire que la bagarre est belle et difficile avec Jean-Marie. Je pense que c'est un coup à lui, un coup à nous. Et aujourd'hui, avec 6 spéciales à faire, on doit avoir une seconde de retard sur lui. Donc le trou est un petit peu fait par rapport aux voitures qui sont derrière nous. Donc là, je pense qu'il va falloir reprendre encore un petit peu plus de risques parce qu'ici, le temps se prend dans le rapide, le temps se prend sur le gravier, le temps se prend un petit peu dans des endroits difficiles. Donc il faut y aller et... surtout pas commettre d'erreur parce qu'une petite dizaine de secondes, une quinzaine de secondes, c'est vite envolé hein, sur un tout droit, un truc. Et donc rester concentré, pas faire de faute dans le vide et surtout y aller. Quoi. Ah bah toi, tu vas aller vraiment... Pour une fois, Jean-Marie Cuoc est tombé sur plus fort que lui pour la troisième place. Derrière les deux premiers, Jérôme Galpin a placé sa Subaru WRC devant la Xara. Le groupe N a couronné un vainqueur inattendu. Le favori, Xavier Lemonnier, a été mis hors course. Yvan Muller a abandonné, boîte de vitesse cassée. Et c'est Thierry Monnet sur une Mitsubishi qui s'impose.
Alors Alex, une sérieuse option de prise pour le titre ? Oui, tout à fait. C'est une bonne opération pour nous de gagner ici ce soir. Mais même si ce n'est pas le genre de victoire qu'on préfère, parce que je ne pensais vraiment pas gagner ce rallye, même si j'ai cru jusqu'au bout, je ne voulais pas partir de La Rochelle sans avoir fait le maximum. J'ai tout donné aujourd'hui, j'ai roulé le plus vite possible, j'ai fait quelques fautes. J'ai essayé de maintenir la pression sur Benoît Rousselot qui a vraiment fait une très belle course, pas de faute, il était vraiment très rapide. Mais bon, on y a cru jusqu'au bout, on s'est bagarré et malheureusement, bon, il a pris une pierre qui a fait perdre une quarantaine de secondes, je crois. Et bon, ça fait nos affaires, c'est sûr, mais c'est une bonne option pour nous. C'est vrai que ça a été un parcours vraiment difficile pour tout le monde et on a eu du mal à voir qui allait se détacher jusqu'au bout. Oui, tout à fait. C'est un parcours très exigeant, très rapide, mais avec beaucoup de poussière sur la route, beaucoup de gravier, de changements d'adhérence. Et c'est vraiment très difficile d'appréhender tout ça sans faire de faute. Bon, comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs erreurs aujourd'hui, mais je m'en veux pas parce que j'ai tout donné. C'était le seul moyen pour moi de suivre de près Benoît. Bon, mais ça fait nos affaires ce soir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire aux Cévennes ? Ben, finir la rallye et puis si possible faire le meilleur résultat possible. Alors Benoît, on t'a vu faire un super parcours, puis on a pensé à de la malchance et apparemment c'est pas ça alors. Non, la malchance a été provoquée en fait. Hein. Dans Surgère, donc trois chronos avant l'arrivée, premier chrono de nuit, on découvre sur le bord de la route, pas sur le bord de la route, mais quasiment au milieu de la route, une énorme pierre qui a certainement pas pu être relevée par Alex, d'autant plus qu'Alex, lui, ne l'a pas vue. Donc après 280-200 km/h, on a heurté cette pierre. Et voilà, donc on perd la course, c'est certain. C'est vraiment dommage, mais je crois que l'acte qui vient de se passer va au-delà de la course. On a simplement crevé, mais je crois qu'on aurait pu y perdre beaucoup plus qu'une crevaison. C'est vraiment très dangereux. Je ne sais pas si la personne qui a fait ça a bien conscience des risques qui nous a fait prendre. Voilà, donc je suis plutôt dégoûté de ce qui vient de se passer. Je vous dis, en dehors du championnat, en dehors de la course, c'est quelque chose en 10 ans de carrière que j'avais jamais vécu et je suis sur le cul là. Je suis même abattu de voir des actes comme celui-ci. Bon, le sport, malheureusement, on va dire, heureusement, continue. Il reste le Cévennes. Oui, alors moi j'ai un patron, donc je ne suis pas seul décideur, mais je crois qu'un acte comme ça doit quand même être relevé et démontré par une façon ou d'une autre. Je ne sais pas, mais aujourd'hui dans l'équipe, on parle de ne pas venir en Cévennes. Pour dire voilà, messieurs, dames, si vous voulez pas, si vous faites des actes comme celui-ci, bah vous avez une belle Subaru en moins qui vient sur les courses. C'est une hypothèse, c'est la première hypothèse à chaud qui nous est venue. Je ne sais pas si ça sera la définitive, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller au Cévennes. Et moi-même, je n'ai pas envie d'aller au Cévennes pour me retrouver avec un autre parpaing sur au milieu de la route, quoi, c'est certain. Moi j'ai Gilles à côté de moi, on prend beaucoup de risques. Gilles a un petit gamin de 8 ans. C'est vraiment débile, quoi. C'est vraiment débile. Comme en 2002, il a fallu attendre la dernière épreuve de la saison pour connaître le nom du champion de France. Au départ du Critérium des Cévennes, Alexandre Binguet n'est plus qu'à quelques pas de la couronne. Il lui suffit de terminer dans les 5 premiers pour être titré, alors que Benoît Rousselot doit impérativement gagner et tabler sur une contre-performance de son adversaire pour empocher un deuxième titre consécutif. Cela semble mission impossible, mais on se souviendra que l'an dernier, Rousselot avait gagné aux Cévennes et que Binguet avait abandonné. Ah Benoît, rallye des Cévennes, c'est le rallye de la dernière chance. Ouais, on peut appeler ça comme ça. C'est vrai qu'on joue nos dernières cartouches ici, il nous faut absolument gagner. Et à Alex, il faudrait qu'il ne rentre pas dans les 5 premiers, donc autant dire qu'il abandonne, quoi. Non pas que je lui veuille du mal et que je lui souhaite du mal, mais en tout cas ça ferait bien nos affaires s'il pouvait lui arriver quelque chose. Et c'est vrai que bah, pour cette raison on est ici à la dernière épreuve, c'est bien sûr parce qu'on a encore un mince espoir et qu'on joue cette carte, quoi.
C'est un rallye difficile, c'est un rallye piégeux. Les routes ici sont très étroites, pommadées de feuilles, de châtaignes. Et c'est vrai que un petit sous-virage ou un petit survirage, c'est vite arrivé. Et voilà, donc on va espérer tout au long de cette journée qui est en plus très très difficile. On a trois boucles de trois chronos à chaque fois. Donc c'est vrai que tout est possible. Un rallye n'est jamais fini et ça reste de la course automobile et ça reste de la mécanique. Donc voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a un titre de champion de France à défendre quand même, parce que bien sûr, ouais, j'y pense fort. On est champion en titre encore et j'espère continuer à l'être. Alors Alexandre, nous là, on va dire au départ des Cévennes avec un enjeu important ici. Ouais, tout à fait, ouais. C'est sûr que l'objectif pour nous ici, ça va être une course atypique, mais l'objectif principal c'est de remporter ce titre. Donc on aborde la course très différemment par rapport aux précédentes, mais c'est un petit peu frustrant de se retrouver sur un rallye des Cévennes avec une voiture comme ça et rouler peut-être à 80%, mais ça fait partie du jeu, il faut savoir gérer à certains moments et là c'est ce qu'on est en train de faire. Donc l'objectif sur ces deux jours de course, c'est rouler doucement mais rentrer. Ouais, rouler doucement non, bien sûr, on essaie de prendre un bon rythme pour suivre Benoît, mais pas prendre de risques pour le suivre parce que lui va rouler vite. Son jeu c'est de nous pousser à la faute, donc il ne faut pas rentrer dans son jeu. Demain, si tout va bien? Bah demain on verra, hein. Ça commence aujourd'hui, il y a des spéciales très difficiles aujourd'hui, très glissantes. Apparemment la météo n'est pas très optimiste pour cet après-midi, donc on verra. Ce que je veux dire c'est que demain si tout va bien c'est champion de France. Oui, on fait tout court, on a tout fait en fonction. Toujours aussi populaire, avec des conditions de course difficiles, les Cévennes sont un temps fort de la saison rallystique. Jean-Marie Cuoc, qui vient de remporter la finale de la Coupe de France, et Jérôme Galpin, troisième en 2002, auront à cœur de s'y illustrer. On a 24 secondes d'avance sur Alex. Nous, on a roulé fort. On a roulé fort dans les deux premières. Il ne faut pas regarder seulement les écarts qu'on a avec Alex. Il faut regarder les écarts qu'il y a avec Jean-Marie Cuoc et Gilles Nantais, qui habituellement sont moins gros que ça. Là, il y a 2 à 3 secondes au kilomètre. Donc, c'est un gros écart. On est parti sur un gros rythme hier. C'est mission quasi impossible et pourtant Benoît Rousselot tente le tout pour le tout. Le pilote de la Subaru a creusé l'écart dès les premiers chronos. Son avance s'est même accentuée quand Alexandre Binguet a crevé et a dû s'arrêter en spécial pour changer de roue. Terme de la deuxième des trois étapes, Rousselot est largement en tête, alors que Binguet est troisième derrière Jean-Marie Cuoc et sa Citroën Xara. Oh.
Pierre Landon, qui avait commencé le rallye en troisième position, a cassé la direction assistée de sa 306 Maxi et a chuté au classement général. La première partie de la course a été mouvementée à cause de la météo. Plusieurs têtes d'affiche sont allées au tapis. C'est le cas pour Crozet, Nantais, Galpin et Voirin qui ont tapé ou sont sortis de la route.
peine, l'abandon de Voirin ne profite pas à Xavier Lemonnier. Lui aussi a fait une touchette et a perdu du terrain. C'est Aimé Védrine et sa Clio RS qui pointent en tête du groupe. Alexandre, en rallye, tout peut encore arriver. Hein. Ah, tout à fait, je l'avais bien dit avant le départ, tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, tout peut se passer. Effectivement, on a crevé dans cette spéciale-là sans prendre de risque. Je pense que j'ai pris une petite pierre qui était masquée sous les feuilles et on a crevé à 4 km du départ, donc il restait encore 15 ou 16 km, donc on s'est arrêté, on a changé la roue. N'empêche que rien n'est perdu, 3e ou 4e, ça suffit pour être champion de France. Oui, bien sûr, je crois qu'on est passé 3e pour une dizaine de secondes sur Jean-Marie Cuhoc, donc on va continuer sur le même rythme mais s'appliquer comme ça jusqu'au bout. Ah Benoît, tout peut arriver en rallye, Alexandre vient de le prouver et donc rien n'est perdu. Ouais, ouais, on a un vrai rallye des Cévennes, pluvieux, brouillard, gras, c'est vraiment délicat et sur ces routes aussi étroites, c'est vrai que ça va très vite à faire une petite erreur. Je crois qu'il a eu un petit avertissement. Voilà, moi j'y crois encore, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et on a une boucle de nuit, ça va être encore plus difficile, il pleut plus que tout à l'heure. Donc voilà. Tu attaques fort ? On attaque fort, ouais. On a attaqué fort dans le deuxième chrono. Il faut savoir que nous, on est parti en slick quand même dans cette boucle. C'était vraiment pas évident, mais dans le deuxième chrono, je suis parti comme si c'était sec. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et dans le brouillard et sous la pluie, on a fait un très bon temps puisqu'on met une minute à Alex. Et par contre, dans la 3, il y avait beaucoup trop d'eau, quoi, et beaucoup trop de coulées d'eau. On avait des pertes d'adhérence et des pertes de motricité. Au freinage, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc là, on a calmé le jeu, mais néanmoins, c'était pas évident de ramener la voiture au bout, quoi. Donc maintenant, on doit avoir à peu près plus de 5 minutes sur le deuxième, qui est Jean-Marie Cuhoc. Je crois que pour la dernière boucle, je vais mettre des pluies, quand même. J'arrête les conneries. En tous les cas, l'obtention ou la non-obtention du titre, ça ne t'appartient plus, c'est plus dans tes mains maintenant, c'est le hasard de ce qui peut se passer derrière. C'est le hasard de ce qui peut se passer derrière, nous on a rempli notre part de contrat, enfin j'espère, on a une bonne option pour la remplir. Il nous fallait gagner ce rallye, on a 5 minutes d'avance donc c'est une bonne option, maintenant je sais pas ce qui va se passer. Trop de pluie, trop de spectateurs, trop de risques, pas assez de sécurité. Le critérium des Cévennes s'est terminé en queue de poisson de façon prématurée. La course a été arrêtée le dimanche matin et le classement a été figé. Comme l'an dernier, Benoît Rousselot remporte le rallye, mais c'est Alexandre Binguet qui coiffe la couronne de champion de France. À 27 ans, Alex a conquis son premier titre au terme d'une saison où il a régulièrement pris l'avantage sur son adversaire. Benoît Rousselot n'a pas démérité, mais la chance a souvent joué contre lui cette année. Jean-Marie Cuhoc complète le podium du championnat, même si avec sa Citroën Xara Kit Car ex-Sébastien Loeb, l'Ardéchois n'a jamais été en mesure de rivaliser avec les WRC. Ses performances et sa régularité font de lui le leader incontesté des pilotes qui se sont battus pour les places d'honneur.
Le championnat de France des rallyes asphalte 2e édition a rendu son verdict. Il n'y aura pas de 3e édition. En 2004, il n'y aura qu'un seul championnat. Toujours aussi spectaculaires, les rallyes sur terre ont à nouveau connu une année animée, avec des épreuves très différentes, de belles autos et un champion de France dont c'était le grand retour. Déjà victorieux en 1993 et 1995, Jean-Pierre Riquelmi a remporté son 3e titre. Avec sa Ford Focus WRC, il a gagné 3 des 7 rallyes au programme. Ses principaux adversaires ont été Sébastien Rousseau qui a gagné 2 courses avec une Impreza WRC, Éric Rousset qui s'impose en Group N avec une Mitsubishi, et Franck Amaudru, 2e du championnat avec une Saxo T4. Les Saxo T4 ont d'ailleurs été les principales animatrices du championnat de France des rallyes sur terre 2003. Thank you.
Oh.